Bonsoir à tout le monde, me revoici, me revoilà en ce vendredi 15 janvier 2021, que je ne me trompe pas d'année encore. Bon, bah, j'espère que vous allez bien. J'espère, j'espère. Donc, eh bien, on va commencer assez rapidement. Alors déjà, je vais dire merci Evelyne, bisous. Merci Christine B. Et pour nous qui aussi, c'est gentil, bisous. Merci à Rabea, pardon. Bisous, bisous. Merci Aline, super et bisous. Coralie, Coralie, merci pour nous qui également, bisous. Merci Marilène, gratitude, bisous. Merci Silaire, bon courage, oui. Bisous. Courage aussi à Colline Verte. Bisous et merci. Et merci pour nous qui aussi également. Oui, je réponds oui, Jean-Marie Donat. De rien, Anne. Merci Bernard, pardon, et Aurèle. Bisous à tout le monde. Alors, Laura, Noël, je n'ai pas pu accéder à vos liens en commentaire, donc je suis désolée. Alors, coucou Mylène, apparemment ça a l'air d'aller hein, pour ce centenaire, puisque j'y vais demain. Ma prestation est toujours présente sur mon portable professionnel. Donc, ben, j'en saurai davantage demain. Que je n'oublie personne. Et merci Yasmina, c'est très 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 gentil. Bon. Alors, par où j'ai ressorti en carte, je suis désolée, j'ai ressorti toujours ces cartes hein, parce que ça me parle davantage. Blocage, je vais en revenir, je vais y revenir, pardon. Toujours les vérités et ce qui est sorti depuis. Très très longtemps l'année dernière, manipulation, mensonge, trahison. Hein, on connaît la musique. Par contre, il n'y a pas très longtemps, je vous avais sorti quelque chose de rapide et qui serait dévastateur. Bon, là, on voit que c'est dans l'air, mais ça n'a pas été dans l'air. Malheureusement aussi pour ces personnes qui ont le. Enfin, je vais vous dire, je vais vous expliquer ça. Bon, on s'affole pas. Alors. On vous dit dans les médias, malgré les vaccins, vous ne serez pas protégé. Eh bien, voyons, pendant plusieurs mois. Bon, ben, il y a des personnes qui comprennent, d'autres qui comprennent malheureusement pas ce qui se passe et ce qui ne se rend pas compte de ce qui se passe. Parce que ce qui se passe est grave, mais je vous avais dit que je voyais avec cette carte le blocage. Et. Les vérités, les mises en lumière, je n'ai pas ressorti. Les mises en lumière, c'est la bougie qui ressortait tout le temps dans l'oracle G. Alors, pour ces personnes qui ne voient pas tout ceci, qui ont encore le voile malheureusement devant leurs yeux, comment dire? Et puis, pour les personnes qui sont éveillées, dites vraiment, dites cette phrase pour celles et ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Est-ce normal? Hein, comme ça, revaccin, etc., etc. Mais, depuis le temps que je voyais le blocage. Donc, voilà. Alors, le parquet de Nanterre a annoncé l'ouverture d'une enquête contre le préfet de police de Paris et deux hauts magistrats pour faux témoignages lors de leur audition devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Ça, je l'ai vu sur mon portable. Tatati, j'ai oublié, merci Daniel Vergogne aussi, merci pour aussi déjà ce lien. Donc cela confirme bien depuis longtemps ce que je pense et ce que je dis depuis, bah depuis l'été 2020 ou peut-être bien avant. Bon, vous avez vu qu'il y a d'autres pays qui se confinent, hein, confinement général, voilà. Donc, on nous parle du Pas-de-Calais qui est en alerte orange aussi pour des crues. Hein, quand je parlais tout le temps d'eau. Voilà. Malheureusement,
justement, je vais en venir ici. Malheureusement, j'ai appris ça, j'ai vu ça sur mon portable, qui aurait eu donc en Indonésie un tremblement de terre de magnitude. Alors, il y a plusieurs, il y en a qui sortent plusieurs magnitudes. Moi, j'ai vu sur mon portable 6,2. Et je vous avais parlé aussi donc d'une île qui me parlait, qui pourrait se passer quelque chose sur une île. Eh bien, en fin de compte, cette île, c'est l'île de Célèbes. Voilà, donc ça, j'en avais parlé, qu'il se passerait quelque chose donc sur une île. Et j'avais sorti aussi cette carte dévastation et aussi avec la rapidité. Donc oui, malheureusement, il y a eu des dégâts, car j'ai pu visionner en appuyant sur mon portable certaines choses. Alors bon, bah, il y a des coupures d'électricité dans certains secteurs aussi, dans l'est de la France, à cause de la neige. Voilà. Alors il faut bien savoir, bien comprendre qu'on nous parle quand même de 6 cas d'effets indésirables graves après injection du vaccin Pfizer. Et il me semble que celui-là qui va être bloqué pendant quelques temps. D'après ce que j'ai pu comprendre et ce qu'on m'a dit. Parce que la télé, je ne la regarde plus du tout, du tout, du tout. Voilà, j'écoute de la musique ou je regarde des reportages ou des films que j'ai envie de voir. Mais par contre, il pourrait se passer des choses intéressantes très bientôt à regarder. Donc voilà, hein, il y a quand même des 6 cas, s'il n'y en a pas plus, hein, après injection du vaccin Pfizer. Hein. Voilà. Bon, apparemment, l'OMS a été en Chine, je ne sais pas où là-bas. Bref. Et oui, et puis il y a un juge espagnol qui ordonne de vacciner une personne âgée malgré le refus de sa fille. Et ça date du 13/01/2021. Vous voyez jusqu'où ça va. Alors, dans les médias, on vous note horizon noir jusqu'à l'été, disent-ils. Bref, 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 et tralala, et tralalère. Ils doivent tous avoir une boule de cristal, ils savent tout d'avance, ils sont vraiment trop forts. Là, je le dis avec ironie, parce que c'est ce qui se passe depuis longtemps. Ils savent d'avance que ceci, que cela. Donc, vraiment, faut vraiment se poser vraiment des bonnes questions, quoi. Alors, je prends toujours des notes, hein, parce que j'ai des choses à vous dire. Alors, j'ai vu aussi sur mon portable ce soir, j'ai vraiment halluciné quand j'ai lu ça. Non, même pas ce soir, même avant. Il me semble que j'ai vu ça avant de partir ma prestation où j'ai fait deux belles rencontres, je vais vous raconter. On parle d'un colis anti-Covid aux salariés, point d'interrogation. Là, CFDT dénonce un système comparable à celui qui dissuade les chiens d'aboyer. C'est le groupe suédois Essity souhaite adopter ce système pour protéger ses salariés. Alors, il marque salarié français de la contamination du 1. Vous voyez ce que je veux dire? La CFDT dénonce pour sa part un dispositif complètement anxiogène et une atteinte aux libertés individuelles. Tu m'étonnes. Hein. Déjà, la liberté, on est vraiment atteint au niveau de... aux libertés individuelles. Bref. Alors, d'après le syndicat CFDT, numéro 1 dans l'entreprise, voilà, ces colliers émettraient un son de 85 décibels dès que la distance sociale ne serait plus respectée. J'ai été morte de rire parce que c'est un truc de dingue, quoi. On se demande ce qu'ils vont encore nous inventer, quoi. Bon, et du coup, bah, j'ai appris par une de mes lumières qu'apparemment, on nous parle de vaccins qui seront éventuellement reportés. Il nous parle de 2 à 3 semaines. Voilà. Donc, gardons toujours la foi, sa petite lumière intérieure, etc., etc. Donc, voilà quelques petites nouvelles.
Alors, on nous reparle de Sarko-Sarko-Sarko-Zizi. Voilà, bon, ben, on va prendre des choses encore, hein. Et par contre, en ce qui concerne ces deux belles rencontres, bon, ben, lors de mon arrivée à ma prestation, j'ai rencontré un monsieur. Voilà, il allait rentrer, moi j'allais sonner chez la personne, etc., etc. Il m'a laissé la porte ouverte. Je lui ai dit, c'est gentil, mais je dois sonner pour prévenir la personne. Voilà, donc, grand sourire, il avait l'air d'être joyeux, etc., etc. Puis après, il a tourné un petit peu en rond, et comme j'étais en avance, j'ai attendu un petit peu. Puis en plus, on a eu un beau soleil aujourd'hui. Il a fait froid, mais on a eu un très beau soleil. Ça faisait vraiment du bien. Donc j'ai attendu un petit peu, etc. Puis au moment d'arriver, comment dire, du coup j'ai sonné à l'interphone, etc. On m'a ouvert. Et comme par hasard, comme quoi qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, ce monsieur, il était encore là. Il prenait l'ascenseur et j'avais pas mis mon masque. Il me dit, oh, moi j'ai pas de masque, vous inquiétez pas, nanani, nanana, nanana. Du coup, on a pris l'ascenseur ensemble et puis arrivé à l'étage, eh bien, nous avons échangé sur ce qui se passe actuellement. Et c'était une personne, c'est une personne, parce que c'est encore au présent, enfin au présent, c'est passé, mais bon, il est toujours là. Eh bien, nous avons échangé pendant moins bien 5 minutes et très très éveillé, très joyeux, bon d'entrain. Ouais, super sympa, très belle rencontre. Et puis nous avons échangé. Et puis bon, ben, il pense à peu près comme ce que je pense et comme ce que je vois dans les cartes, etc. On est trop sur Terre, etc., etc. Enfin, vous connaissez la chanson, quoi. Donc, une personne très éveillée. Donc, apparemment, ce monsieur voudrait me revoir. Donc, je dis à voir. Voilà. J'arrive donc chez la cliente, etc., etc. Et puis je fais ce que j'ai à faire, on échange un petit peu. Et puis là, vers la fin, on a bien échangé et on est arrivé sur ce sujet de ce qui se passe actuellement. Et cette femme, c'est une femme qui est enceinte, je ne vais pas vous dire le nombre de mois. Donc elle est obligée de rester à la maison, autrement elle peut avoir un problème avec son bébé qui est dans le ventre. Donc bah, une femme aussi très éveillée. D'autant plus que c'est pas une femme qui regarde les vraies infos. Voilà, c'est son intuition. C'est son intuition, sa propre guidance, propre à elle-même. Et on a échangé là-dessus. Et bon, bah, quand elle m'a dit qu'elle a été à l'hôpital, c'était l'horreur, quoi, parce que elle portait le masque, etc. Je sais pas ce qu'on lui a fait. Bref, je ne suis pas rentrée dans les détails. Et au réveil, elle me dit j'avais le masque et tout. Enfin, elle me dit c'était un truc de dingue. Et puis, je vois bien ce qui se passe. Et voilà, vous connaissez la musique. Donc, une personne vraiment très, très éveillée. C'est une femme, je ne sais pas quel âge qu'elle a, mais elle est beaucoup plus jeune que moi. Et ben, j'étais agréablement surprise d'avoir des personnes en peu de temps. En une journée d'échanger sur ce sujet qui est quand même important. Et voilà quoi. Alors elle me dit, de toute façon, ils disent que des mensonges, etc., 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 etc. Bref. Donc deux personnes vraiment bien éveillées. Donc ça m'a fait vraiment plaisir. Et c'était un plaisir de partager avec ces personnes. Donc voilà. Donc on va revenir avec cette carte de blocage. Hein, je vous disais, je vois aussi un blocage aussi sur pas mal de choses et notamment sur aussi ce qui se passe donc bah, les vaccins. Donc oui, apparemment, il y a des personnes qui disent que c'est jusqu'au printemps et dans les médias, on nous dit peut-être comment dire, il y a un blocage au niveau des vaccins quoi. Hein, c'est reporté. Voilà, mais en attendant, ils vont commencer à vacciner les personnes à partir de 76 ans. Et là, oui, c'est grave aussi. Voilà, ça, ce n'est que ce que je ressens, c'est propre à moi-même, tout simplement.
Donc, je m'aperçois quand même, en rencontrant, comme quoi qu'il n'y a pas de hasard, en une journée, j'ai rencontré deux personnes qui pensaient, qui pensaient comme d'autres personnes également. Donc, pour ceux qui m'ont pas suivi l'été dernier, c'est pareil, à ce moment-là, on pouvait aller boire un petit café ou autre en terrasse l'été. Et j'avais aussi échangé avec le patron. Et on avait échangé sur ce sujet. Et les vaccins n'étaient pas encore d'actualité. Eh bien, c'est la même chose qu'il m'a dit. On est trop sur Terre, etc., etc. Et machin, et machin, et machin. Bref. Donc, vous savez très bien qu'aux États-Unis, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'armées déployées. Donc, ce n'est pas pour lire les journaux. Donc, je pense qu'il va se passer certaines choses, peut-être même avant le 20 ou le 20 ou le 21. Donc, c'est à voir. Voilà, on confine un petit peu partout. Hein, on fait aussi le couvre-feu à partir de 18h. C'est un peu concordant, on va dire, avec ce qui se passe là-bas, là-bas, là-bas. Mais bon, il y a plein de choses qui se passent, qui est sous-jacente et qu'on ne parle pas spécialement dans les médias. Donc là, par contre, j'ai envie de vous dire, à partir de, je sais pas, moi, demain ou après-demain, logiquement, jusqu'au 20 ou 21, on devrait apprendre certaines choses. Logiquement. Donc, à voir aussi, hein. Voilà, faut garder quand même les pieds sur terre, mais bon, il y a quand même pas mal de choses qui se passent. L'OMS est allée en Chine, etc., etc. Enfin, c'est vraiment très, très complexe, très, très complexe. Hein. Donc, aussi, j'avais aussi noté quelque chose d'important. On apprend, tiens, tiens, que Frédéric Mitterrand serait à l'hôpital à cause de ce virus également. Bon, bah écoutez. Hein. Oui, alors là, on passe à autre chose aussi. Alors, ça, je l'ai vu aussi donc, sur mon portable. Dans la guerre contre l'Iran, Israël a bombardé une nouvelle fois les milices chiites opérant sur le territoire syrien le 13 janvier 2021. Un quatrième raid aérien en moins de 3 semaines. Cette multiplication des frappes en Syrie a-t-elle pour but d'empêcher tout futur rapprochement entre l'administration Biden et Iran? Bon. Vous voyez qu'on veut toujours destituer le blond là-bas, là-bas, ce monsieur, alors que logiquement, on dit que c'est JB qui est président. Pourquoi voudrait-on le destituer, le retirer à tout prix? On dirait que là, il y a panique à bord. Donc, il y a de quoi se poser quand même les bonnes questions et également aussi, j'ai envie de vous dire, c'est quand même un truc de dingue ce qui se passe. Voilà. Donc, voilà, c'est très court. Je vous fais un petit coucou au passage. Je vous remercie de vos commentaires qui sont vraiment très très gentils. Mais voilà, ça va un petit peu trop loin. Et puis attention, parce que les tests commencent dans les écoles. Voilà, donc à faire attention quand même. Voilà. Mais enfin, c'est pour vous dire que c'est tout un tintouin, mais un truc de dingue. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe. Et je sais que je ne devrais pas dire ça, mais là, ça devient tellement gros et grotesque. Et c'est de pire en pire, quoi. C'est de pire en pire. C'est incroyable, quoi. On voit déjà à horizon noir jusqu'à l'été 2021, disent-ils. Voilà, ils doivent avoir tous une boule de cristal ou je ne sais pas quoi. Bon, bah, tout a été fait d'avance. Il n'y a pas, j'allais dire un gros mot, je le dis pas. Il n'y a pas à chier. Voilà. Bon, bref. Donc, c'est très court. Bon, c'est vrai que j'avais vu quelque chose qui était quand même dévastateur.
Donc, c'est vrai que je n'ai pas la carte des continents, etc. Mais j'avais parlé d'une île aussi. Et c'est vrai qu'on parle bien de l'île de Célèbes, il me semble. Voilà, donc c'est catastrophique, oui, parce que j'ai vu des photos. Et écoutez, c'est désolant. Voilà. Bah écoutez, je ne vais pas rester très longtemps, donc on garde le moral, on garde sa petite lumière intérieure, sa petite étincelle, sa petite lumière intérieure, on garde surtout la foi, voilà. Et je pense que il va y avoir davantage et de plus en plus ceci. Voilà. Donc, bon, ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe un peu partout dans le monde, mais écoutez, il y a quand même un lien, quand même, hein, je voyais un lien. Voilà. Donc, moi qui ai fait écran noir pendant un certain temps, de temps en temps, j'allumerai, je mettrai pas le son, bien sûr, de temps en temps, voir un petit peu ce qui peut éventuellement se passer ou ce qui peut être dit, nous verrons bien. Bon, pour l'instant, il y a certaines chaînes de YouTube qui marchent encore. Voilà, tout le monde s'est précipité pour certaines plateformes sur Odyssée et sur VK. Donc, pour l'instant, ça marche toujours. Donc, on verra bien. Nous verrons bien. Voilà. En attendant, je vous fais tous à tous des gros bisous. Plein de bisous. Et puis, alors je ne sais pas si c'est Pfizer aussi, il me semble, je sais plus. J'ai une petite lumière qui m'a parlé de ça, mais alors j'ai noté vite fait, bien fait. Par contre, Laura OL, alors là, désolé, je n'ai pas pu accéder, pardon, à vos liens ou à ce lien. Comment dire en commentaire. Par contre, ce que j'ai oublié, c'était de vous oralement de vous parler d'un lien, voilà, qui est très bien aussi. C'est en français. Alors, ce lien, je vais le dire, c'est première de couverture. Alors, première, c'est avec un P majuscule, le reste en petites lettres. Un espace de en petites lettres DE, plus loin espace, couverture, comme une couverture avec un C majuscule. Et c'est très intéressant, vous allez voir. Voilà, donc c'est en français, c'est une femme qui explique certaines choses très très bien. Donc je vais vous redire encore ce lien. Première de couverture, première comme la première. Avec un P majuscule et le reste en petites lettres, espace de DE en petites lettres, espace couverture comme une couverture avec un C majuscule. Et ça peut être très intéressant si cela vous dit. Voilà. Vous faites comme vous le voulez, vous faites comme vous le pensez. Je n'oblige personne à regarder des liens. Bon, bah écoutez, on apprend que Frédéric Mitterrand est à l'hôpital à cause du virus. Bref, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Donc demain, je suis prise. Donc on m'avait demandé des nouvelles de ce centenaire. Donc ma prestation tient toujours demain. Donc j'en saurai davantage. Voilà. Bon, bah, quand j'ai senti quelque chose, donc ça parlait à une abonnée. Un abonné, une abonnée. Et quand on ressent les choses, c'est pas spécialement qu'il peut se passer quelque chose tout de suite, ça peut être plus tard. Hein. Puisque quand j'avais coupé les cheveux à un client, je vous avais expliqué, etc. Sa femme était venue, vous allez couper les cheveux à mon mari, etc. etc. Et je vous avais dit que je sentais quelque chose de pas bon, etc. Je vous l'avais expliqué. Mais malheureusement, il a quitté ce monde ici-bas pour passer de l'autre côté du voile, du miroir, 3 mois après.
Voilà. Eh bien, écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un agréable week-end. J'essaierai de revenir si j'ai d'autres nouvelles, voire peut-être ressortir des cartes pour voir un petit peu les événements de la semaine prochaine à venir. D'accord? Nous verrons ça ensemble. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.